cold outside, but the fire keeps us warm. We can spend the night underneath the mistletoe, and I've gotten you a present that I put under the tree. Let's go outside, the snow is falling down, and every child is having so much fun. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi 9, il est 9h30 et j'ai rendez-vous à 10h chez ma coiffeuse. On va enfin couper tout ça, j'en peux plus de cette longueur. Depuis que j'ai un carré, je supporte plus quand c'est en dessous, enfin j'aime bien quand c'est au-dessus des épaules. Je vais bientôt partir, avant j'avais envie d'ouvrir le vlog. Et il faut que je poste des stories avant de partir. J'ai filmé des stories pour la marque des Zegnaux. J'ai juste 2-3 stories à poster. J'ouvrirai le calendrier de l'avance si j'ai le temps avant de partir, sinon je le ferai juste après. Mais en tout cas je suis trop contente, c'est la dernière fois. J'allais dire que je coiffe ses cheveux mais je me suis pas coiffée. Donc j'ai hâte qu'ils disparaissent. En fait je veux vraiment mon calendrier de l'avant maintenant. Alors aujourd'hui j'ai eu un petit savon comme ça, un savon qui fait visage, corps, intimité, main. En gros il fait tout. Moi je rajouterais même qu'il fait pinceau aussi, les savons je m'en sers aussi pour mes pinceaux. Nickel, ça me servira toujours. Maintenant je vais passer aux stories. Bon allez, là il est l'heure de partir pour moi, sinon je vais être en retard. Putain je suis deg, j'ai perdu, enfin j'ai pas perdu, mon trépied est chez moi. Je sais pas où, j'ai pas réussi à le trouver avant de partir. Donc je sais pas comment je vais pouvoir filmer. Et me voilà arrivée à bon port. Ça y est, c'est tout coupé, je suis trop contente. Franchement trop bien. Moi je viens juste de rentrer, l'appareil est pas droit, j'ai toujours pas retrouvé mon trépied donc je sais pas où il est. Je suis trop contente, donc là bah, c'est elle qui me les a coiffés, elle m'a fait des petits crans. Donc ça remonte un tout petit peu plus que si je les élise comme je fais d'habitude. Mais j'aime bien qu'elle me fasse des crans parce que moi j'arrive pas à les faire. Enfin en tout cas pas comme ça et je suis trop contente. Ça y est j'ai retrouvé mes cheveux, ma longueur de cheveux que j'aime. Et puis bah, moi ils poussent super vite donc c'est pour ça que je coupe toujours un petit peu plus que ce que je veux réellement. Comme ça dans une semaine ils ont la taille que je veux. Je suis vraiment trop contente, donc pour ceux que ça intéresse, je vais au salon Océana Vakian dans le 6ème. Si tu passes par là, merci beaucoup parce qu'à chaque fois je suis hyper contente. Et je sais qu'ils ont beaucoup de délais d'attente. Elles sont complètes sur plusieurs mois là actuellement. Mais je suis toujours hyper contente. En remontant, j'ai récupéré un colis qui était dans la boîte aux lettres. C'est marqué Kentium. J'avais fait une petite sélection sur Kentium il y a quelques temps, je me souviens plus, c'était il y a longtemps, donc je me souviens plus du tout ce que j'avais sélectionné. Ça doit être un bout, une partie de la commande parce qu'il y a qu'un seul truc et c'est un tapis que je me souviens pas avoir pris, mais comme je vous dis, ça fait longtemps que j'avais fait la sélection donc je m'en souviens plus. C'est un tapis, dessus il y a marqué You look good. Bah en fait je l'avais pas du tout commandé ce tapis, mais ça m'étonne pas, de le recevoir parce que j'aurais pu le commander, j'aime bien. Je pense que je le mettrais dans la salle de bain parce que j'ai peu de tapis à part le... J'ai pas de tapis à part le tapis de douche quoi. Bon et puis du coup aujourd'hui, enfin là il va falloir que j'aille, je voulais aller régler ce problème à Maison du Monde là parce que ça a commencé à bien m'énerver. Je voulais y aller avant, je vais y aller tout de suite je pense parce que l'après-midi il y avait trop de monde la dernière fois. Oh on est mercredi. Je vais partir je pense direct chez Maison du Monde pour essayer de régler mon problème de click and collect. Ça se trouve ils l'ont reçu comme vous m'avez dit, donc je vais aller voir. Du coup je repars à la Part-Dieu. Je suis pas encore à l'aise avec cette caméra. Je sais pas du tout si je vais bien arriver à filmer avec, si le son est bon et tout. Je vais vous montrer quoi elle ressemble, elle est super bizarre. Je vous avais montré l'année dernière. Vous voyez, elle est toute petite. Déjà j'avais le doigt sur le micro, ça commence très bien. A chaque fois que je filme avec ça, vous me demandez, je vous mets la référence en barre d'infos, c'est DJI je sais pas quoi. Je sais plus, mais écoutez, je vais essayer de filmer avec ça, mais s'il y a trop de monde, je vais rebrousser chemin, comme d'habitude. Ça y est, j'ai récupéré ma commande, j'espère qu'on m'entendra. J'ai enfin récupéré ma commande, elle était arrivée en fait depuis tout ce temps. Bon là, je vais rentrer chez moi. Franchement, j'ai pas trouvé grand chose, je voulais trouver plein de trucs pour faire une vidéo. Ma vidéo de samedi, je voulais des collections de Noël et j'ai quasiment rien trouvé. J'ai été chez NYX, je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai été chez Sephora mais j'ai rien trouvé. En fait toutes les collections de Noël c'est des produits qui existent déjà mais qui ont juste été repackagés et moi je veux des nouveaux produits donc j'ai pas trouvé grand chose. Par contre j'ai ma commande Maison du Monde et ça c'est une nouvelle qui m'enchante. Je viens de rentrer de la Part-Dieu, il est 13h01. Je sais pas si on entendra parce que j'ai filmé avec l'autre caméra. Mais en tout cas, ça y est, j'ai mes articles Maison du Monde. Je suis trop contente. Mais ils sont là d'ailleurs, juste ici. Alors après, il n'y a pas grand chose. Hein. Vous attendez pas à ce que je fasse encore 15 trucs de déco. Il n'y a vraiment pas grand chose. Mais au moins. Ah, il y a des mugs. Je me souviens que j'ai des mugs. Au moins, j'ai plus ça à penser. Et là, avant de déballer le truc Maison du Monde, je vais manger parce que j'ai super faim. Et pour vous montrer ce que ça donne, ce que j'ai fait hier, bon là il faut que je recoupe, du coup je trouve ça trop grand.
Je pense que je vais les laisser un peu plus grandes que les rouges, mais pas autant. Je vais les recouper. En tout cas, la bouteille, j'aime beaucoup ce que ça donne. Et pour mes petits DIY d'hier, et bah écoutez, j'aime beaucoup. On installera aussi ça tout à l'heure. Et puis j'essayerai ce soir le petit photophore. Hier, j'avais pas le courage, vraiment. J'ai fait du montage jusqu'à super tard. J'ai retrouvé mon trépied. On se retrouve, du coup, on a mangé. Il est 14h14. Je vais vous montrer ce que j'ai pris chez NYX. C'est le seul magasin que j'ai trouvé où ils avaient vraiment sorti une collection pour Noël. Bah, j'ai repris déjà mon crayon. Mais cette fois-ci, je l'ai pris dans la bonne teinte, qui est Ash Brown. Il n'y avait plus de tester, donc j'espère que c'est Ash Brown. Et j'ai pris un gloss de la nouvelle collection, qui est la collection de Noël. C'est ce gloss là, il a l'air super joli, donc j'ai hâte d'essayer. Et ensuite j'ai pris un petit kit de liner pailleté, pareil de la collection de Noël. Tout le reste, ça me tentait pas vraiment. Voilà comment ça se présente. On testera ça dans la vidéo de samedi. Je pense que je filmerai ça demain. Et demain, je vous montrerai comment je fais pour filmer, ce que j'utilise et tout. Et du coup, comme j'ai dépassé 49€ chez NYX, j'ai eu ça en cadeau. C'est un petit mug. Oui, si, comme un petit mug avec un petit couvercle comme ça. Pour le boire le café, nickel. Ça, je m'en servirai trop bien comme cadeau. Et ensuite, on passe donc à Maison du Monde. J'ai acheté des mugs de Noël chez Maison du Monde parce que c'était les premiers que j'avais pris et du coup je pensais prendre que ceux-là. Bref, en magasin vous pouvez les acheter seuls, mais sur internet c'était obligé de les prendre par lot de deux. J'en ai pris deux. Ils sont énormes, trop jolis. J'aime trop ce style. Alors en magasin ils sont à 6,99€ unité. C'est pas plus avantageux de les prendre par deux je crois, donc j'en ai juste eu pour le double. Et ensuite... Pourquoi j'ai pas checké en magasin? J'avais pas pris que ça. Quantité zéro, bah au moins ils me l'ont mis, hein. Quantité zéro. J'avais pris des petites étoiles blanches. Bref, j'avais pris des étoiles blanches, bah du coup on va rien décorer du tout puisque elles y sont pas. Et j'avais pris deux housses de coussin. Ah, il y a les deux. Elles étaient à 19,99€ l'unité, mais j'ai commandé quand il y avait des promos sur Maison du Monde, donc je les ai eues je crois à 15€. Et voilà à quoi elles ressemblent, du coup j'aime trop. Alors c'est vraiment les tons que j'aime, hein, c'est pour ça. J'ai pris les deux mêmes. En vrai je trouve qu'elles sont encore plus jolies. Le détail est vraiment sympa. Je suis pas sûre, d'habitude je lave tout avant d'installer, mais je suis pas sûre que ça supporte vraiment les perles. Non, pas du tout, on peut pas le laver. Je vais installer ça direct. Voilà, j'attendais ma commande Maison du Monde juste pour ces housses de coussin. Bah heureusement que c'était pas les housses de coussin qui manquaient, parce que là j'aurais eu la mort. Bah du coup il va y avoir un autre unboxing, mais alors là, très différent. Unboxing, on a commandé un matelas gonflable. Parce que, bah, comme vous savez, j'ai donné le canapé à mon frère et le canapé c'était mon seul couchage d'appoint pour quand j'ai des amis qui viennent dormir. Donc on a commandé un matelas gonflable, on a essayé de regarder des avis pour que ce soit un bon matelas quoi, qui dorme pas à ras le sol. Là il est en train d'arriver dans l'ascenseur, on le déballera après, on essaiera de le gonfler pour voir ce que ça donne. Comme ça, si jamais vous cherchez aussi un matelas gonflable de bonne qualité, peut-être que ça pourra vous aider, s'il est de bonne qualité. On l'a payé 50€ sur Amazon, il était en promo. Voilà, aujourd'hui c'est une journée très chill. Sur le devant, ils ont collé l'étiquette de chez moi, donc je vous verrai dodo. Je vous mettrai la référence en barre d'infos. C'est juste marqué un texte. Il y a une housse pour ranger. C'est un matelas qui a le gonfleur intégré, parce qu'on n'avait pas envie d'acheter des trucs à côté. Bon du coup j'ai changé de place pour avoir une prise. Il y a une flèche qui descend, une flèche qui monte. Je suppose que c'est flèche qui monte. Ça se gonfle super vite en fait. Je pensais que ça allait mettre un peu plus de temps. Il est assez épais. Et bah franchement on est pas mal du tout. Je pensais pas. Il y a un petit je sais pas comment dire, un petit rebord quoi. Comme un coussin. Mais maintenant moi il faudrait que je me motive pour me lever d'ici et aller travailler. Ah non, mettre mes housses de coussin, ça c'est bon. Bon alors gros contretemps, évidemment pile la journée où j'avais un peu d'avance. J'ai trouvé des bêtes. J'en ai vu une il y a quelques jours et là j'en ai trouvé genre 8-10 d'un coup. Et du coup je vous ai demandé sur Instagram ce que ça pouvait être. Là on est en train de faire la chasse. Vous êtes plusieurs sur Instagram à me dire punaise de lit, puce, tic. Mais c'est, je pense, aucun des trois parce que c'est plus gros. Il y en a pas. Là, on a tout checké. Il y en a pas dans la chambre et pas dans la pièce YouTube. C'est tout dans le salon. Là, je suis en train de tout remettre en l'air pour être sûre. J'ai mis mon produit parce que j'ai toujours un produit anti-araignée. Parce que vous savez que je suis phobique des araignées. Heureusement que c'est pas des araignées que j'ai trouvées parce que là, je serais en PLS. Là, je peux partir à leur recherche sans avoir peur. J'ai mis du produit anti-rampant là-bas, mais j'ai rien trouvé. Ma vidéo sort dans 20 minutes. J'ai toujours pas fait de barre d'infos. Va falloir que j'y aille, que j'abandonne la chasse. Bon, je sais pas si je vous ai repris. Je l'ai dit en story, mais non. On a trouvé ce que c'était. C'est des Cinera, Coni... Bref, c'est des espèces d'insectes qui sont dans les sapins. Là, je vais vous montrer ce qu'on a fait.
On a enlevé tous les cadeaux et on a remarqué que oui, ça vient bien du sapin, c'est ça. Il y en a sur le tronc, c'est pas dangereux. Donc mon copain est parti acheter du savon noir. On a lu qu'en astuce naturelle, pulvériser le sapin de savon noir et le secouer. Donc là, c'est tout ce qu'on va faire. C'est cool, la seule journée où je me disais je vais pouvoir être plus... pouvoir avancer sur mon travail, pas du tout. Mais du coup je vais appeler mon père pour lui demander s'il n'y a pas d'autres astuces puisqu'il a été très longtemps paysagiste. Peut-être moyen qu'il ait des astuces. Pendant que mon copain est parti chercher le savon noir, moi je surveille que ça aille pas partout parce qu'on a fait tout l'appart et normalement il n'y en a plus à part sous le sapin. On a trouvé plein de bêtes dans l'appart, c'est des trucs de sapin. Cinera confinis, tu connais pas? Non, ce nom-là, ça me dit rien. Bah après, j'ai cherché, c'est pas... Je vois à peu près à quoi ça ressemble, ouais. D'accord. Et t'en as déjà traité? C'est un peu noir? Ouais. Il reste sur le sapin ou il vaut quoi partout? Ah bah, je les ai trouvés partout dans le salon. Non mais de toute façon, c'était trop beau, je trouvais. Il mettait pas assez de trucs. Bon courage avec vos bestioles. Ouais, merci. Pas d'autre solution, donc ma foi, on va secouer. En plus, ça me saoule, je voulais absolument répondre aux commentaires de ma vidéo, être là... J'ai toujours un problème à 16h. Je sais pas pourquoi j'ai décidé de publier à 16h. Il y a tout le temps une merde. Bon, et ben on a tout déplacé le sapin pour essayer de ramasser les bêtes. Parce qu'il y en a plein en fait. Ça venait vraiment de là. Il est 17h30 et on est toujours sur la même chose. Je me suis rendu compte que je vous ai même pas montré à quoi ça ressemblait. J'en cherche une. Si vous avez peur des insectes, ne regardez pas. Bon, après c'est petit. Hein. Voilà, je voulais vous montrer des fois que franchement je suis à bout là. Vous voyez? Ah bah non, on dirait une araignée. Je vous jure, moi qui ai peur des araignées, c'est pas une araignée. Je vous retrouve vraiment beaucoup plus tard. Il est 19h30. J'ai la peau qui brille. C'est vraiment le dernier de mes problèmes. On a fait le sapin jusqu'à présent. Il y avait tellement de bêtes à l'intérieur. Première et dernière année qu'on prend un vrai sapin. On avait regardé, en fait, c'était ce qui était le... On va dire le plus écolo, enfin le moins pire, quoi. Mais l'année prochaine, je regarde pour acheter un sapin artificiel, un beau sapin artificiel. Plus jamais je ramène des bêtes comme ça. Le fait est que c'est même pas terminé, je vais vous montrer. Bon, on l'a tourné, donc là, c'est le côté que j'avais pas décoré parce que je pouvais pas y accéder. Et dans tous les cas, on est obligé de laisser le truc comme ça parce que je vais encore l'asperger de produits demain et après-demain, je pense. Du coup, bah, on est obligé de laisser ça comme ça, ce qui fait qu'on a dû tout décaler. Et on a secoué tout l'appart pour essayer de vraiment d'enlever toutes les bêtes qu'on pouvait trouver. Voilà pourquoi les coussins sont comme ça. Mais ce qui me rend très contente, par contre, c'est mes housses de coussins Maison du Monde. Donc là, je vais remettre les coussins comme ils étaient et changer juste deux housses de coussins. Bon, normalement j'ai pris des coussins de la bonne taille cette fois. Bon, voilà ce que ça donne, je vous montrerai demain quand ce sera la lumière naturelle. Mais franchement, ils sont vraiment super beaux ces petits coussins, je les aime trop. Voilà, et puis au niveau du tapis, je l'ai mis dans la salle de bain, je trouve qu'il va bien dans la salle de bain. Juste ici, après d'habitude il y a celui-là dans la longueur. Là je vais aller manger, me poser un peu parce que je suis KO, je pense que ça se verra. Et puis après j'irai faire le montage. Bon, je vous retrouve plus tard, ça va un peu mieux. Mais il est quand même temps que la journée s'arrête. Pour relever un peu le niveau de cette journée, petit concours, je vous ai préparé un petit lot. Je vais vous montrer ça. Et même si on n'est pas en pleine journée, parce que tout à l'heure en fait je voulais vous le montrer, et c'est en allant dans la pièce chercher le carton pour le lot que j'ai croisé une bête. Donc même si on n'est pas en pleine journée, j'ai mis mon éclairage comme ça, normalement vous devriez bien voir. Et voilà donc le petit lot du jour. Comme d'habitude, toutes les informations de participation seront en barre d'infos. Ici on a une palette XX Révolution dans les teintes plus rosées, une palette Beauty Bay dans les teintes chaudes, ça c'est vraiment des teintes que j'aime trop. Du orangé, du marron, des teintes un peu passe-partout, un spray fixateur de chez NYX, une lotion de chez Pixi en maxi format, il y a 500 ml. Ensuite j'ai mis un gel nettoyant accompagné de la petite brosse Foreo, un liner, un gloss Make Up Revolution, un blush, trois crayons, un crayon liner de chez Beauty Bay, le mascara Gobi Gorgo Home de Kat Von D et les petits vernis qui sont juste ici. J'espère que ce petit lot vous plaira et puis bah du coup pour participer, rendez-vous dans la barre d'infos. Bon, moi je vais clôturer ce vlog ici, on se retrouve demain pour une bien meilleure journée, j'en suis sûre. Ça m'arrive de temps en temps des journées comme ça, hein. Je pense que ça nous arrive à tous, des journées où il n'y a rien qui va. Demain ça ira bien mieux, en plus je vais filmer une vidéo, je vais vous montrer tout ce que j'utilise pour filmer, comment je m'organise, tout ça. J'espère que ce petit vlog vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain. Bye.